de cul. Je serai champion, merci. Salut, c'est Gary à Poubelle, moi je m'appelle Till et je chante en jouant de la guitare. Moi c'est Anto et je chante des fois en faisant de la basse. Et moi je fais de la batterie avec quelques chœurs derrière. Le groupe, il existe depuis combien de temps? Ça fait 15 ans que Guérilla Poubelle existe. Après, il y a eu pas mal de changements de line-up et tout ça. Moi, je suis là depuis le début, mais les deux compères sont arrivés en cours de route. Mais là, ça fait un petit moment quand même qu'on est stabilisés tous les trois. Ça fait quoi, 200, 300 concerts? Plus. Voilà. Vous trois, 300 ouais. concerts? Ouais. Je suis arrivé un peu après le 500e, moi, je suis arrivé. Et là, on est à 940, genre 930. Et du coup, depuis toutes ces années, vous avez sillonné toute la France, je suppose. Il y a un coin où vous n'êtes pas allé, mis à part Castres. Eh bah, ben Castres, c'est la première fois, ouais. on n'a jamais été en Corse. C'est vrai. Il faudrait le faire, ça, d'ailleurs, un de ces quatre. Non, c'est possible. Non, il fait trop chaud l'été et tout le monde fait la sieste. Non, faut y aller à Noël, tranquille, quoi. Je l'ai pas fait, mais j'ai dit hier que je le ferais, de checker tous les départements, là, si on avait bien joué dans chaque département au moins une fois. Donc on en reparle la prochaine fois. Votre dernier album, c'est L'Annoncé, c'est ça? Ouais, qui est sorti en novembre l'année dernière. Là. Vous pouvez nous en parler un peu? On l'a fait super rapidement. C'était un challenge, c'était c'était chaud en vrai. Il y a même quelqu'un qui m'a dit récemment, vous l'avez fait trop vite. Mais ça, je crois pas, mais peut-être qu'il se reconnaîtra s'il voit le truc. Mais c'était très rapide, on a fait en 8-10 jours, on a tout bouclé, il avait ses textes en avance évidemment. Et on a répété dans les 8-10 jours précédant l'enregistrement, donc c'était vraiment pas évident. Ça n'a rien à voir avec Sartre. Ah bah si, on va pas faire genre ah non c'est un hasard, on a trouvé le même nom. si c'est référence à Sartre évidemment. Il y a eu pas mal de, en tout cas dans les textes, évidemment la musique de Sartre on peut pas trop juger, mais dans les textes pas mal d'inspiration de par rapport au bouquin La Nausée en particulier, sur l'histoire de ce personnage qui se retrouve un peu à un moment de sa vie où il est en perte un peu d'inspiration, où il remet en cause les projets qu'il était en train de faire, où tous ces trucs là en fait nous, qui correspondaient pas mal à où j'en étais en termes d'écriture dans Guérilla Poubelle. J'étais un peu bloqué, un peu je sais pas trop. Et puis ça parle, il y a tout un côté... Ah ouais, c'est bizarre que tu me dises ça, parce que moi l'album précédent déjà, je trouvais qu'il y avait Amor Fati, je trouvais que déjà il y avait un côté sombre, mélancolique. Ouais, bon, il y a toujours eu hein, depuis ouais, le début du déjà, groupe. C'était beaucoup plus prononcé déjà. Ouais, il y a même quelqu'un qui a dit pour Amor Fati que c'était romantique. Au terme, au sens littéraire, tu vois, pas en sens Saint-Valentin. Mais vraiment en termes de sentiments exacerbés, de souffrance, de trucs. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, celui-là est encore plus développé, ce sens-là. Oui et non, en fait, il est quand même dans d'un point de vue plus collectif, je dirais. Amor Fati, il est vraiment très, très perso, quoi. Il est beaucoup en jeu, il est beaucoup sur des ressentis de situations personnelles, de trucs vraiment plus précis, quoi. La nausée, j'ai l'impression, tu sais, c'est pas facile aussi quand c'est toi qui a le nez dedans et tout, mais la nausée, il est plus en nous, et plus de problématiques collectives, tu vois, elle est un peu plus politique, entre guillemets, quoi, finalement. Et donc, ouais, il est un peu plus ouvert, je pense. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient plus facile de s'identifier à celui-là qu'à l'autre, alors que l'autre est justement... L'autre était plus intime, en fait. Ouais, plus intime. Du coup, plus précis dans le... Il y a beaucoup de gens qui s'y sont identifiés aussi, mais c'est vraiment sur des trucs très très précis et tout, ça touchait peut-être un peu moins de gens que ça, où tout le monde se reconnaît dans les problèmes de macronisme et de trucs comme ça, tu vois. On a tendance à minimiser vraiment les épisodes suicidaires, les épisodes de dépression et tout ça, dans la vraie vie, comme dans la scène punk. Même avec des gens un peu ouverts d'esprit et tout ça, ça reste encore un peu compliqué à pas se faire têter de chochotte et toutes ces conneries comme ça. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. J'ai réussi à aller un peu mieux. J'espère que pour vous aussi, les copains et les copines. Ça s'appelle Carcassonne. C'est la première fois qu'on joue cette chanson aussi proche de la ville de Carcassonne.
niveau politique, alors, on sait que Guérilla est quand même un groupe plus ou moins engagé. Il y a des sujets que vous abordiez différemment maintenant, avec un peu plus de maturité, on va dire. J'aborde pas de sujet, je fais de la batterie. J'aborde aucun sujet, moi. Bah, tu verras ce soir. Ouais, mais je sais. Ouais, dans le sens, je sais pas si... Finalement, ouais, les thèmes sont toujours un peu les mêmes hein, quand tu regardes depuis le début du groupe. Et peut-être la façon de le traiter en termes d'écriture, tu vois, de positionnement narratif et tout ça, c'est peut-être un peu plus mature, un peu plus fin maintenant que à l'époque du premier album. Mais finalement, tu regardes un peu... J'ai un pote qui a fait, on l'a jamais publié, mais j'ai un copain qui a rentré tous les textes de Guérilla Poubelle dans un espèce d'algorithme qui te sort des nuages sémantiques, tu vois. Et en fait, on retrouve vraiment la même chose tout du long. En termes de champs sémantiques, de mots utilisés, les mots qui sont beaucoup utilisés, les parties du corps ressortent beaucoup, les trucs d'ennui, de problématiques du monde du travail, il y a tous ces trucs-là, quoi. C'était assez intéressant comme truc à faire, mais oui, je pense que c'est un peu plus fin maintenant, quand même. Quand c'est écrit, quand tu parles de, je sais pas, par exemple, de féminisme à 35 ans, t'es quand même un peu plus de recul, un peu plus fin que quand t'as 20 ans, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Guérilla Asso, on peut en parler aussi? Oui. Donc, non, désolé les gars, c'est moi qui garde le micro là, mais... Ouais, c'est ça. Donc Guérilla Asso, c'est quoi? Guérilla Asso, c'est le label dont je m'occupe, en fait. Qui au départ était plus une structure pour organiser des concerts avec une bande de potes à Paris. Et ça s'est vite transformé en label traditionnel, quoi. Que je gère tout seul de chez moi, de ma petite chambre. Et puis voilà, on organise aussi des concerts avec là du coup un collectif d'amis et d'autres assos qui participent. Mais voilà. Et au niveau des concerts, c'est toujours pareil, tu organises sur Paris? Ouais. Beaucoup de concerts? Non, pas beaucoup. Moins qu'avant? Ouais, moins qu'à certaines époques. Après, il y a des périodes où Guérilla Poubelle tournait moins, donc on avait plus de temps à Paris pour faire des choses. Là, souvent, quand des potes me demandent de l'aide pour des concerts, on est en tournée, donc on peut pas le faire. Mais on fait moins d'un concert par mois quand même en termes d'orga, donc c'est pas énorme. Mais par contre, quand il y a des groupes qui viennent sur Paris, peut-être tu les loges ou il y a des trucs. Ouais, moi j'ai souvent des groupes qui dorment à la maison, toi aussi. Hein. Ouais, j'ai une grande coloc, ça permet d'amener 10 personnes. Ouais. Et du coup, ça permet aussi de communiquer avec des groupes, d'échanger, ouais, faire des... Mais ça a toujours... Nous, c'est pareil, toi, quand on est en tournée, on dort tout le temps chez des gens et tout, c'est un truc, c'est presque... Puis toi aussi, Anto, il habite à Montpellier, mais oui. Tu héberges des groupes. Ouais, assez régulièrement. Et ouais, c'est un truc, c'est difficile, c'est même pas... Enfin, c'est difficile de... Même des fois, je vais à des concerts et t'as un groupe qui joue, qui disent au micro, ouais, on a nulle part où dormir ce soir, si quelqu'un... Tu sais, c'est... hyper difficile de se dire non je bosse demain, j'ai déjà eu des groupes tout le week-end et c'était obligé d'aller proposer, dire ah bah il y a de la place à la maison, n'hésitez pas. De toute façon, c'est la base aussi du punk rock finalement. Ouais, c'est une espèce d'entraide perpétuelle, ouais, de survie en fait. Ouais, de survie collective. Ouais, c'est ça. vous arrivez à la définir cette survie dans le punk rock au jour d'aujourd'hui, ou vous diriez que c'est gagné au niveau de la jeunesse, vous voyez... Rien n'est jamais gagné, ça c'est sûr, enfin c'est ce que j'en ai retiré dans ma vie. Et je pense qu'il faut toujours se remettre en question et ne pas hésiter à se poser des questions, etc. Parce que, enfin, de mon ressenti personnel, j'ai l'impression que depuis 10-15 ans que je vais au concert, etc., je remarque qu'il y a pas une lassitude, mais qu'il se passe quand même un petit peu moins de choses et il se passe un petit peu moins de... Par exemple, il y a un peu moins de monde au concert, ou il y a un tout petit peu... Voilà, on peut remarquer certains petits détails comme ça, par-ci, par-là. Rien de gravissime et rien de voilà hein, qui fait que tout est perdu, mais c'est juste qu'il y a peut-être un peu dans le creux de la vague en ce moment, et toujours essayer peut-être de faire les choses qu'on a envie de faire, mais par contre ne pas hésiter à se remettre en question et à essayer de... À réinventer. À se réinventer, à réinventer ce qu'on fait, etc. Mais, on se repose beaucoup sur nos lauriers souvent. Enfin, quand je dis nous, c'est pas nous particulièrement, mais tu sais, il y a beaucoup de trucs, t'as les petites habitudes, les petits machins, la société elle change vachement, t'as tous les Netflix, les trucs comme ça là, tu sais, tout devient plus individuel. Avec ton téléphone, là, tu te fais tout, tu es le room service à domicile, tu vois, tout chez toi, tu sors plus. Les interactions sociales, le rapport qu'on a d'interactions sociales. J'ai essayé de commander une série. Tout à l'heure dans le camion, je galère. Elle n'arrive pas. Hein. Ça marche pas. Cherche un SMS. Mais toi, les rapports sociaux ont vachement changé de dynamique et tout ça, et c'est faut, faut,
faut que la scène s'adapte à ça, faut que les sorties s'adaptent à ça et tout ça quoi. Les gens en sont encore demandeurs. T'as parlé de la clé de la survie, c'est ça? Ouais. C'est ça ta question de base? Ouais. Moi je dirais quand même que mon amour pour la musique est supérieur. Peut m'entraîner dans des saloperies. Ah ouais. Mais que je surkiffe. Ah non, je surkiffe. Tu vois, ça peut être une explication de pourquoi on se met dans une situation comme ça. Ouais. Ouais, moi je sais pas si le terme de survie est approprié, tu vois, parce que on va pas se mentir, en France, les mecs qui font du punk rock et tout, c'est quand même que des petits garçons blancs de la classe moyenne et tout, tu vois. Toute proportion gardée, on est pas. Tu vois, on a été au Brésil par exemple, on a fait une tournée au Brésil. Là, t'as des vraies questions de survie quand t'es menacé de mort parce que t'es homosexuel et que tu joues dans un groupe et tout, c'est des vrais trucs vénères quoi. Nous, ça va quoi, on a tous des tafs, c'est pas toujours. Ouais, mais il y a un truc de. Du coup, ah, vous avez tous des tafs à côté. Mais ouais. Ah oui, comme on est. Non, mais comme on est confortable, entre guillemets, dans nos vies perso et tout ça, t'as un truc qui est moins. Qui est, je sais pas comment dire, ouais, moins urgent, moins survie, moins, comme tu dis quoi. Moins dangereux. Ouais, moins dangereux, moins. Tu vois, tout est un peu. Bon, si. Au niveau vocal, on se posait toujours la question si tu te. Avec cette voix très rock, tu l'as travaillé. Rock. Ouais, rock. 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 Non. Rock. Ouais, si tu te posais quoi comme question? Mais si tu l'as travaillé en fait. Ou si c'est naturel. Ouais, non, c'est pas naturel parce que tu je sais pas. Mais oui, c'est naturel, mais c'est pas naturel. Mais non, mais toi je. Ouais, je me. Ouais, après j'ai pas l'impression de forcer, tu vois, je me casse pas la voix, c'est pas extrême quoi, j'ai pas l'impression de faire du black metal. Mais c'est vrai que ça pousse à la limite tout le temps. Après je connais je sais comment ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, les morceaux, je sais où aller et tout, donc en fait c'est pas. Vous organisez, enfin tu organises avec Riasso V6 My Fest. Ouais. Alors c'est quand ça? C'est les 18, 19 et 20 mai. Je sais pas si l'interview sera déjà prête et sortie, oui. Mais. Ouais. Du coup, on vous met la pression. Le monteur derrière. Si. 2019, non, je parlais. on vérifie parce que Ben & Twist, ils nous ont donné des dates. Ouais. On n'était pas sûr, quoi. Ouais, 18, 19 et 20. Et Ben & Twist, ils jouent à Simulation. C'est la première fois qu'ils jouent. Ouais. Et ça va être cool. Ben oui, c'est toujours cool. Après. On parlait de se remettre un peu en question, tous ces trucs-là et tout. This is my fest, ça reste vraiment un truc un peu d'entre-soi aussi, où c'est toujours un peu la même bande de groupes qui jouent, la même bande de gens qui viennent. C'est plus une réunion de famille pour se faire du bien et se voir une fois par an, échanger des disques, échanger des anecdotes croustillantes et voir des groupes cool. Et voilà, c'est pas des gros festivals où tu vas avoir des milliers de personnes qui découvrent des nouveaux talents et tout ça, c'est un truc qui est très confortable finalement, qu'on peut reprocher, mais nous c'est ça qu'on a envie de faire. Voilà. Comme on en a rien à foutre, on fait ce qu'on veut. C'est ça, c'est le but. Et au niveau de votre actualité, vous avez des prochaines dates, des trucs à... On est en tournée pendant... Moi je connais ça. Peut-être tu connais. On est parti en tournée hier, je sais pas s'il faut de citer des dates à propos de ce qu'on fait en ce moment là. Ouais, on est mi-avril et on tourne jusqu'au 2 mai. 1er mai. Et ensuite, on fait peut-être 4-5 week-ends jusqu'à début juillet, entre mai et juin, 4-5 week-ends. Et ensuite, on part en Amérique du Nord du 10 juillet au 12 août. Voilà, pour 4 semaines et demie. Voilà, comme ça, s'ils veulent nous attraper à Paris ou quelque part, ils savent quand nous trouver, quoi. Dans la rue. Et en Amérique du Nord, en fait... On fait 12 jours de... Québec et Ontario, c'est bien ça? Ouais. Et ensuite, le reste de USA avec Arms Aloft. Hyper sérieux. Nos copains d'Arms Aloft. Ouais, aux US, on fait surtout la côte Est, qu'on n'a jamais fait encore, donc on est assez excités. West. West. Ouais, West. Seattle, Los Angeles, quoi. Justement, au niveau de Guerrilla, tu disais que tu étais de Montpellier. Ouais. Vous êtes sur Paris? Ouais. Nous deux, on est sur Paris. On fait des tournées. Pour se voir, pour. Pour l'instant, et avant que ça se casse complètement la gueule, le train m'aide beaucoup. Et du coup, je soutiens fermement et fortement tous les cheminots de France. Soutien à vous. Ils font un travail formidable, c'est magnifique. Mais par contre, oui, on répète jamais en fait. On répète trois fois par an, je pense, en moyenne.
peut-être un peu plus, mais si on doit faire le cumul de, depuis que je suis rentré dans le groupe, on répète pas souvent. Quand vous composez en fait, là tu te déplaces Ouais, il y a deux formules. Il y a la formule avant les tournées, donc je monte le jeudi, on répète le jeudi, on part en tournée le vendredi. Et il y a la formule pour composer l'album où là on s'est enfermé pendant quelques jours d'affilée, où on faisait des répètes tous les jours et voilà. Voilà. Et toi, notre groupe, tu veux en parler? On peut, ça s'appelle Intenable et Quitters, parce que j'en ai deux en fait. Mais voilà. Bah lui aussi il a deux autres groupes. Et lui il a trois autres groupes. Intenable, c'est avec celui de Nina School. Exactement, c'est ça. Voilà, on a sorti un album il y a un an, un peu plus. Voilà, on va enregistrer des trucs bientôt. Voilà. Et tes autres groupes? Moi, je vais essayer d'aller vite parce que sinon je vais prendre beaucoup de temps. Je joue dans un groupe qui s'appelle Stigmate, qui a pas mal tourné, ça fait 10 ans que je suis dedans. Et c'est punk années 80, si je me trompe pas, français. Et, mais ça évolue avec les membres de groupe qui changent et tout. Et puis les gens qui composent, ça change de temps en temps. C'est toutes sortes de couleurs, mais c'est plutôt influence OTH, Parabellum, etc. Les rats. J'ai un groupe qui s'appelle Bien à toi, qui fait de la musique instrumentale. Mais comme il y en a un qui habite à Londres, un qui sort pas de chez lui, un qui... Bon, c'est un peu compliqué. Un peu comme là, sauf qu'on n'y arrive pas, nous. Nous, on fait 4 week-ends par an et une tournée, mais c'est très bien. C'est très bien, 25 dates par an, ou 20, c'est bien. Un groupe qui s'appelle Tomorrow Massacre, où on fait beaucoup de bruit, voilà, avec des gens très divers dans ce groupe. C'est quoi, qui sont rencontrés sur... Quand tu dis on fait du bruit... Divers, il bah, y a carrément des filles, des gens de 20 ans. Donc tu vois le truc, et moi j'ai 32. Ouais, c'est une sorte d'arche de Noé totale, où on a fait ce groupe à deux batteries au départ. Donc c'était pas mal, mais dans les petits lieux comme ça, on a eu des mauvaises surprises à deux batteries. C'était un peu galère. On entendait que... Ça marche encore ou pas? Il a regardé sa caméra et il a fait « Ah, c'est la merde, en fait il parle de mon groupe !» Ouais, Tomorrow Massacre, ça a été deux batteries pendant un an, donc dans les lieux un peu repris c'était bien, mais dans les lieux comme ça, même le sol et tout, on entendait que les caisses claires et les cymbales. Surtout que la batteuse elle tape vraiment fort. Donc voilà, et puis je joue avec mon père aussi, qui s'appelle Paul Pechnard. Ce prénom et ce nom français. Et il fait de la chanson française. Voilà, je fais de la guitare avec lui. Ouais, et j'ai un groupe avec un mec du label de Til Guerrilla, tu sors Noé Talbot, hein, Guerrilla. Guerrilla Sauce, non. Ouais, bah, je préfère Noé Talbot. Hein. Ouh, il va le voir. Oh non. Noé Talbot, c'est un mec de Montréal qui fait de la folk, guitare sèche-voix, sol-do, très attaché au sol et au dos. Ouais. Un peu le problème qu'il a. Peu trop. Ouais. Et je fais un groupe avec lui qui s'appelle Col Rouge, avec des membres de Bien à toi, de Intenable et de Noé Talbot, qui est lui et moi, et on fait des chansons. Deux fois par an, quand il vient en Europe, on répète et on fait deux, trois titres. Peut-être que la prochaine fois qu'il va arriver, on a répété il y a un mois et on répète en mai là. Donc on a déjà fait 4 nouveaux titres, on en refait d'autres et on espère faire un album en septembre-octobre, là sur des week-ends libres. Je ne sais pas si ça existe ça, mais des week-ends libres. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon vite fait. Voilà, ok. J'espère que je ne vous ai pas emmerdé. Non, du tout. Le mot de la fin. Et ils ont oublié, mais les deux font aussi un concert ensemble à This Is My Fest où ils font des reprises de chansons de dessins animés de Disney en punk rock. D'accord, c'est original. Mais ça, c'est que ça va être une. Moi Proms. One shot. Ouais. Moi Proms. C'est unique. Moi Proms, ça s'appelle. Right. Voilà. Et on est bien content d'être là, merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Voilà. Merci. C'est bon? Et à table. Voilà. Il va le laisser en plus, il va le laisser. Faire quelques vieilles chansons pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Ça fait comme ça. Ça fait à peu près comme ça. Assez vécu dans le passé, toi dans le mal est passé. Envie de voir à l'envers, qui se sent d'avoir lieu. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai même pas besoin de vous. Je n'ai même pas besoin de vous. Assez vécu dans le
est un chien de l'enfer.
Merci la famille.